Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je vais cuisiner pour mes collègues et je vais vous montrer qu'est-ce que je vais cuisiner. J'utilise des vidéos YouTube. Sinon, j'utilise des recettes en ligne parce que ça fait longtemps que j'ai pas cuisiné tunisien. Et là, je me rappelle plus comment on cuisine. Donc là, je suis en train de regarder cette série. Mais je vais faire des briques, les doigts de Fatma. Et je vais faire du couscous. Donc eux, ils ont jamais... c'est des Vietnamiens et... Vietnam et quoi d'autre? J'ai oublié l'autre pays, je suis vraiment désolée. Mais ils ont jamais goûté du couscous. Donc je vais faire du couscous et je vais faire couscous végétarien parce qu'ils ne mangent pas de la viande. That's it! So this is my roll. Yeah. Ok, là le couscous est prêt. Donc ici on a le couscous. Et ici on a toutes les légumes. Et ici, eux on va les frire. Yes, we're gonna fry with oil. So you're gonna fry with olive or just regular oil? No, no, regular. Okay. We don't fry with olive. On va faire les doigts de Fatma à la asiatique. Like Tunisian food, but cooking is oh, in Tunisia we put a lot. Really? Yeah. No, just put like that and then I'll wait until it's hot and then you go. The food for oven. Yeah. It's Vietnamese, right? No, I don't think so. It's Filipino. Filipino, yeah. Yeah. You are Vietnam. Yeah. They are Filipino. Oh my god, I hate this. Yeah, I'm not good for design, like decoration. It's not good. It smells good. Yeah. Like, basically, we just have this. So nothing. Yeah. It's hot, but not with those ones. No, wait, it's not super hot. Yeah, because, no, lift it in there, this one, but. It's already like bubble. Yeah, but we need to warm. Very hot. Like in Tunisia, we do this. Like, for example, we take a little bit, and you see it doesn't fry. Try your first couscous. I will try. Yes. But I did bought some chips and cake. Yeah, I see. I mean, it's all sober. This sucks. Whoa, what's this all about? Is here it have couscous? The other one, you know. Finger fatma. Yeah, finger fatma. I don't know. It's a sour roll. It's her country. It's not a sour roll, right? It's in our country. They have potato. I don't know. What this called, Sarah? The big pot? What is it called? Couscous. Have you tried this? Couscous manous? Kind of. It's called Janice. What? It's couscous. But I make it vegan. Because of someone like me. Sarah, come back here. Selfie. Freddy's trying to get a selfie. Okay. Thank you. You should selfie. So. Okay. Yeah. happy, because I'm fat. Come with us. Where are you, Janice? Come with us. Sarah's skinny, so we hide. And this one? Couscous balloon. Just is salad. Mm-hmm. Come on. Okay. This is salad mishwaya. Show us how to eat it, like in your way. Okay, we will pray first. Yeah. Eat with this. Can we pray first normal. Before we eat? Hmm? Can we pray first before we eat? Yeah. Okay, yeah. We'll pray first. Why me? You're gonna pray? We have a pastor. Pastor first. Pastor, pray. Okay, I'll give it okay, let's pray. Lord, your Heavenly Father, we thank you for this fellowship we have. Thank you for this food bestowed upon us. May you bless those who prepare for this food. Mm-hmm. And may you also bless us in our plans, each and every one of us. Thank you for this night, and we thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. How to eat this one? Use by hand or by feet? No! What?
No. I say no. We eat with the. Oh, okay. Normal. Okay, we're gonna get pork. This one we eat with the bread. That's okay. It. But the other is. We dip it inside. This one is spicy. I tried. Yeah, is it chicken? No, it doesn't have. It's tuna, but if you, it's just in the top. It's done in the top. Yeah. Yeah. What's the bottom? Is pepper and tomato. Okay. I'm not part of the second one. Yeah. It's good. It's good. You have to strip the lemon out of the lemon. Yeah. Is it like this is made of? It's like pasta. It's like a pasta. It's made out of wheat. Like wheat pasta. What's this, Sarah? It's salad. It's spicy. But I still love it. It's have the egg on it, so yeah. We tried it with bread, and I love the what's that? Couscous. Couscous. Yeah. We should try it with chicken or fish neck chan. Yeah. Tunisia is the only country they make it with fish. Because Algerian and Morocco, they do couscous too, but they didn't do with a fish. Mm. And Tunisian is red. Mm. You see it like when I put it, I put like a sauce with. But Morocco is white. It's I love not the tuna red. The most. Tuna, yeah, really good. Sarah, we have a pack of tuna on the side. Good. Ask you about the food. You're gonna what this? One thing I have to say, couscous. Every time you didn't remember the name. I like it. My first time trying couscous, and I love it. You and like the it? Salad too. Yeah. The salad with cucumber and tomato, right?
Tomato and pasta. But that one is not Tunisian. It's just yeah, I make it. Yeah, the spicy one is Tunisian. The spicy one. Mm-hmm. It's a bit too spicy for me. It's so spicy. You told me you eat spicy. Yeah, but I have a stomachache, so I can no longer spicy. But I still like it. And the finger. The finger. They have big finger. But it's good. You like it? Yeah, finger made out of tuna and smashed potato, right? Yes. Yeah, it's really good. I like it. It's like a Vietnamese spring roll, but different version. Yeah. I love it. Thank you. Thank you. Thank you very much. Cool. Thank you. It was excellent. It's your first time you try couscous. Yeah, it's my first time to try couscous. It was couscous. Really good, you know. It's excellent, amazing. I'm sorry, it's vegan. Because Jane. It's vegan? Oh, really? Yeah, I do it vegan because Jane. I like vegan. And the another one. The spicy what's salad. What's the name of the another food? The finger for Fatma finger. Like the spring roll thing? Yeah. Yeah, it was amazing. Like, there's like a similarity with our spring roll, Asian spring roll, but it was distinct. It was really nice. Thank you, Sarah, for You're the welcome. Yeah. Et la fête est finie. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et que je vous ai partagé, vous avez eu une petite idée par rapport à la vie en colocation. Des fois, c'est vraiment bien. Des fois, c'est pas bien. Mais la plupart du temps, si vous trouvez les bonnes personnes avec qui vous pouvez habiter, c'est vraiment bien. Et les gens, ils vous respectent. Et vous pouvez partager vos cultures. Vous pouvez partager plein de choses. Comme aujourd'hui, j'ai partagé avec eux. La spécialité tunisienne qui est le couscous. Personne n'avait jamais essayé auparavant le couscous, donc ils ont aimé. En fait, les gens avec qui j'habite, ils viennent du Vietnam et du Philippines. Philippines, I don't know. Ils sont des Philippiniens. Ok, dites-le moi. Donc, Philippines, ouais. Et il y en a un de mes collègues que c'est un prêtre. Donc lui, il habite entre Canada et les États-Unis. Et c'est vraiment génial parce que j'apprends de leur culture, j'apprends pas mal de trucs. On n'a pas la même religion. Genre, moi, je suis musulmane. Eux, ils sont chrétiens. Les autres, ils sont chrétiens. Mais c'est deux types de christianisme qui n'est pas du tout pareil. C'est comme si on disait genre sonna et chia. En fait, ce qui est bien en colocation, quand tu files bas, genre t'es un peu down, t'es un peu triste ou t'es un peu perdu, genre tu peux parler avec des colocs au lieu de rester tout seul. Des fois, c'est pas bien. Surtout pour moi, une personne qui fait de l'anxiété, c'est pas bien pour moi. Donc, hier, j'avais fait du hot yoga avec ma coloc. Et après, j'ai dit, ok, je vais parler avec elle. Et je lui ai dit, ok, je veux comme me confesser à toi, mais je veux pas que tu me portes du jugement. Tu portes des jugements sur moi. Et là, on a commencé à parler. Et finalement, genre, elle peut pas porter des jugements parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des up and down. Et tout le monde a fait peut-être quelques trucs qui sont pas bien, mais qui les regrettent et tout. Donc je suis humaine, on est tous des humains. Et genre aujourd'hui aussi, genre quand elle était, parce qu'il y avait quelqu'un que elle aimait pas sa présence, et donc quand cette personne là était ici avec nous, moi j'essayais de la soutenir, j'essayais d'être avec elle, et elle aussi elle essayait d'être avec moi. Et quand elle me conseillait, hier, elle m'a pas mal conseillé, et aujourd'hui, c'est moi. Je lui ai dit, tu dois écouter les conseils que tu m'as donnés. Donc, c'est bien pour toi, surtout que là, la personne que tu n'aimes pas, elle est juste ici. Donc, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est hyper important quand tu déménages, tu quittes ton pays, tu essaies de faire une nouvelle vie. C'est tellement important et ça aide énormément à s'intégrer quand tu habites en colocation. Ça aide énormément
et ça te laisse pas genre le sentir le mal du pays. C'est ce que j'aime en colocation. Heureusement que la plupart du temps, j'ai trouvé des bonnes personnes qui m'ont soutenue, que je suis amie encore avec eux et que j'aime énormément. Ce qui est cool aussi, les gens qui me suivent sur Instagram, ils savent à quel point j'ai pas confiance en moi par rapport à la langue, par rapport à mon niveau linguistique en anglais. Mais ce qui est cool, qu'avec mes collègues, j'ai jamais eu ce sentiment d'être, d'avoir un mauvais anglais. En fait, depuis que je suis venue à British Columbia, j'ai jamais senti que j'avais un niveau bas d'anglais ou un bas niveau d'anglais. Et tout le monde me soutenait, tout le monde... Genre, avec ma coloc, hier, on a parlé peut-être pendant 2 heures. 2 heures, on parlait, on vidait tout. Elle vidait son sac, je vidais mon sac. Et on se comprenait. Et même si des fois, je ne comprenais pas vraiment mot à mot, mais je comprenais le sens de sa phrase, qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et ça, c'est vraiment bien. Et genre, moi, la chose qui m'a fait... qui me donne plus confiance en moi par rapport à l'anglais, c'est que quand je parle avec mes amis qui sont anglophones à 100% et je raconte une joke, genre une blague ou un truc comme ça, où j'essaye de les niaiser, je sais même pas niaiser en français c'est quoi, genre de les taquiner, ouais, en français c'est taquiner, ils rigolent et ils trouvent du fun. Donc ça, à ce moment-là, je me dis, ok, ça va, genre, t'arrives à faire rire l'autre personne. Ça veut dire que ton niveau d'anglais n'est pas si mal que ça. Et aussi, les personnes qui m'entourent, ils me laissent pas sentir que mon anglais est mauvais ou autre. Contrairement à d'autres personnes qui chialent. Oh non, Sarah, parle pas en anglais, ton anglais est pas bon. Ou parle pas en français, ton français est pas bon. Donc, eux, je les écoute pas, mais les personnes qui m'entourent présentement, ils me soutiennent énormément et honnêtement, j'adore. J'adore ces personnes-là parce qu'ils me rendent plus forte, ils me donnent plus confiance en moi et je suis vraiment épanouie et je dis hamdoulah que j'ai des personnes en or qui m'entourent. Et vous aussi, il faut... Vous avez sûrement des personnes qui savent votre valeur, qui méritent cette, qui vous méritent aussi et qui vous poussent à être mieux et mieux et mieux et qui vous soutiennent énormément. Donc, ayez le sourire juste pour ces personnes-là. C'est ce que je peux vous dire seulement.